équatorial, sur les rives du fleuve Congo, lors d'une bataille matinale, entre simiens du même troupeau, un chimpanzé sans doute victime de l'appendicte populaire, se jeta soudain dans l'abîme pour fuir de ses congénères. Se jeta soudain dans l'abîme pour fuir de ses congénères. Il put éviter le lynchage, mais ignorait l'art de la nage. Ouf, il parvint à s'accrocher à un tronc d'arbre qui flottait. Après quelques heures de dérive, il met les pieds sur l'autre rive. Puis il ira dans la forêt pour s'endormir affamé. Puis il ira dans la forêt pour s'endormir affamé. Petit jour, quel ne fut pas sa joie quand il découvrit une belle corbeille de fruits offerte par des sœurs poilues. Ces dernières voulurent savoir les motifs de sa venue. Le singe leur conta son histoire et comment il y survécut. Le singe leur conta son histoire et comment il y survécut. Il avait succombé au charme d'une guenon fort bien touffue, dont les yeux ruisselaient de larmes, car son mal était un bourru. Il avait consolé la belle, ne pensant point agir à mal, mais dans sa tribu les femelles sont la propriété des mâles. Mais dans sa tribu les femelles sont la propriété des mâles. Guenon étant sous l'emprise du puissant singe dominant, ce dernier piqua une crise lorsqu'il surprit les deux amants. Avec l'aide de ses sbires, il voulut tuer notre héros, qui parvint quand même à s'enfuir en se jetant dans le Congo. Qui parvint quand même à s'enfuir en se jetant dans le Congo. Notons que chez les chimpanzés, ce n'est point tout à fait comme chez leurs cousins que sont les hommes, car la femelle n'est point blâmée. Ah bon, d'accord. En général, chez les humains, la pauvre femme adultère est insultée comme une putain et peut finir sous les pierres. Est insultée comme une putain et peut finir sous les pierres. Les bonobos le regardèrent avec une mine étonnée, car chez eux ce genre d'affaires ne pourrait point se dérouler. Car lorsqu'il y a un conflit, sitôt ils se font des caresses. Bisous papouille câlinerie pour que la colère disparaisse. Bisous papouille câlinerie pour que la colère disparaisse. Nous les guenons sommes vraiment libres, car sous l'emprise d'aucun mâle. Ce qui nous assure l'équilibre au-delà du bien et du mal. Et c'est en toute dignité que dans notre espèce on préfère faire l'amour et pas la guerre, n'est-ce pas plus approprié? Faire l'amour et pas la guerre, n'est-ce pas plus approprié? Le chimpanzé fit la grimace, car c'est dû au premier abord. Il se jugea très perspicace, en témoignant son désaccord. Mais si vous n'êtes point fidèle, comment vos mâles peuvent-ils aimer sans assurance paternelle les bâtards que vous engendrez? Sans assurance paternelle les bâtards que vous engendrez. Je pense que tu confonds l'amour et la propriété privée. Si cette folie n'a pas cours, c'est pourquoi nous vivons en paix. Mais si tu préfères la guerre, la jalousie, la convoitise, tu n'as qu'à franchir la rivière qui nous protège de vos bêtises. Tu n'as qu'à franchir la rivière qui nous protège de vos bêtises. Allez, oust! La 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 la. Faut-il chercher une morale à cette histoire peu banale? Ne sommes-nous pas des singes sans poils à la recherche d'un idéal? Mais pourquoi donc l'humanité a pris la voie des chimpanzés, puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre? Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. L'amour,
la guerre, l'amour, la guerre, faites l'amour et